Zapeto Edo du Mazet. Voici donc le 11 Zapeto Edo du Mazet, un alzan avec lys en tête et 4 basanes blanches nécessairement. Fils de Roseau de Tanuès, par hasard, champion Roseau de Tanuès, et Rompa de Lila, par Gemelon de Pantador. La souche de la Bruni, on en parlera un petit peu plus tard avec Jacques Crozier, parce qu'il va nous présenter des produits. Et il propose un pourcentage en bio de 40,18. Donc Zapateodo du Mazet, donc élevé bien sûr, au haras du Mazet, à deux pas de Pompadour, chez Mathieu Taleux, qui s'est déplacé à l'époque pour aller chercher le sang de Roseau de Tanuès. Qui conclut le Roseau de Tanuès. 4 victoires de 35 ans, le prix laissé à 37,5. À la peste, course B, et puis il a gagné aussi le Grand Prix de la Société des Confrères de Marsan. Avec tous bons éléments de sa génération, lui qui était né en 2007. On va voir marcher, Mathieu. Toujours tiré à 4 épingles, Mathieu, qui nous a gratifié d'un magnifique costume, cravate, bien repassé hier soir, lors de la folle soirée de du 3e grand show anglo-arabe, et qui nous arbore cette chemise de l'anglo, du syndicat anglo-course, indispensable. Costume de présentation agrémenté d'une cravate de son goût personnel. J'arrive pas à le prononcer. Est-ce que Mathieu va nous dire à quoi ça rime, Zapatoedo? C'est une danse. Eh bien, on va demander bien sûr un peu plus tard à Mathieu de nous faire une démonstration de cette danse qui s'appelle le Zapateado. Du Mazet à 40,18% qui va revenir ici au trot. Donc ce produit né le 8 mai, je ne l'avais pas précisé, de Roseau de Tanuès.